Ouais, peut-être pas. Il nous manque un des conférenciers, mais je pense qu'il va arriver. Bienvenue aux Oniriques pour cette conférence enquête de scénario du jeu de rôle au roman. Avec nous une belle brochette de personnalités qui attendent de discourir avec Joël. J'espère. Ouais. Alors, on a une brochette. Des belles brochettes. C'est celui qu'on attend. C'est là que tu vois l'état des mecs. Des baies, on est arrivé. Hein, c'est Jekyll, c'est lui, Jekyll, c'est moi. Et moi, je suis entre les deux. Parce qu'il fallait un infirmier. Allez, moi, de quand donc je suis Julien Pouget, modérateur, je vais. Bonjour. Et je vais, quand je modère, j'aime bien faire ça, je laisse tout simplement auteur, écrivain, essayiste, penseur, se présenter tout simplement les uns après les autres. Non, fais ton taf. Ah non, 17h30. Ah ouais. Non, moi j'ai le micro, alors je m'en fous. Alors bonjour, je suis John Nang, je suis mal rasé, je suis champion d'Europe de dessin de poulet. Pas mal, ouais. Moi je suis dessinateur frustré, Jean-Luc Bizien, j'ai fait du jeu de rôle dans une autre vie et je suis là pour vous prouver qu'il y a une vie après le jeu de rôle. Le truc c'est d'en sortir. Je n'en suis jamais sorti. Pierre Pevel, j'ai également fait du jeu de rôle dans une autre vie de Jean-Luc Bizien. J'en suis sorti également. Il est sorti. Pareil. Voilà pourquoi c'est lui qui aurait dû nous présenter. Maintenant, il y a Greg, nous fait des tard. C'est comme ça. Et Jean-Philippe Jaworski qui vient donc de nous rejoindre. Et qui est en retard. Qui a perdu son train. Et attends, on t'a le droit à un verre. Mais sans eau. Oui, dans un groupe de jeux de rôle, il y a toujours celui qui fait des échecs en série, donc ça c'est moi. J'ai loupé ma table ronde hier soir, à cause de moi, elle était reportée d'une journée, et puis là j'arrive en retard. Donc je suis fidèle à moi-même. On a juste voulu commencer un petit peu comme ça, mais on n'était pas inquiets. Est-ce qu'on fait un truc ludique, genre on arrête avec les micros? Vous entendez? Vous entendez? Oui, on arrête avec les micros. Vous êtes un gros talent. En début d'après-midi, on en a fait une entière sur les micros, donc si on en a besoin, ça veut dire qu'on s'est un peu fatigué pour rien. Ouais, c'est bon. De toute façon, ils vont nous entendre ou pas, on s'en fout. C'est un jeu de rôle, donc c'était un peu... Elle a dit quoi, ça marche aussi avec les filles. Mais on est arrivé. Le gros avantage, c'est qu'on peut parler tous en même temps. Et ça, c'est cool. Ou alors, on peut jouer avec le micro, c'est-à-dire on le met devant soi quand on a la parole. C'est pas mal, c'est ludique. Sinon, vous pouvez le mettre au sein des...
Non, mais ça sera trop loin, ça marchera pas. Ouais. Je prends le micro parce que j'ai pas une grosse voix. On m'avait prévenu que ça allait pas être facile. Non, fait. Ouais, Julien, bon bah voilà. Il a signé, c'est pour t'as ces 5 là, bah, va falloir y aller. Je fais ouais, ok, ouais, pas de soucis. Bon, bah, je me souhaite bon courage. Moi aussi. On a un super public déjà, c'est bien. Allez, ouais, cabot, ça. Bien joué, toi. Et prenez les autres. Ça, c'est un pro. Alors, je commence par qui? Par eux. Est-ce que vous avez des questions pour nos 5 intervenants? On commence par la fin là. Ah oui, complètement, non, mais j'ai décidé de transformer le tableau. Une question là-bas. Est-ce que Pac a amené sa boîte à Chantos? Alors non, parce que la batterie est en panne. Non, non, j'ai pas amené parce que j'ai déjà une guitare et tout, ça fait beaucoup. Donc vous n'aurez pas d'insultes aujourd'hui. Voilà, donc, notre réflexion aujourd'hui, c'est du jeu de rôle au roman. Vaste question, s'il en est. Qui je commence? Jean-Philippe, est-ce que... quel est votre lien avec le jeu de rôle par rapport au roman? Question ouverte. Question où on peut répondre par oui ou par non. Parce que... Oui. Oui. Allez, solidarité au vertu. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Une relation. D'abord, j'ai lu des romans c'est l'heure. qui m'ont donné envie de jouer. J'ai fait pas mal de parties de jeux de rôle à partir de romans, à partir, bien sûr, les grands classiques. À partir des romans de Moorcock sur Elric, à partir. Bien sûr, du Seigneur des Anneaux, à tel point d'ailleurs que j'ai fait mon propre système de jeu pour jouer au Seigneur des Anneaux parce que ce qui était dans le commerce ne me plaisait pas et puis j'ai diffusé sur le net. D'autre part, je suis aussi parti dans le sens inverse, c'est-à-dire que je suis parti parfois de scénarios de jeux de rôle. Alors, les romans que j'ai écrits qui me permettent d'être parmi vous aujourd'hui sont des romans en fait qui sont partis d'une conversation, enfin plutôt d'un troll sur un forum de jeux de rôle. Le vieux marronnier pour ou contre Donjons et Dragons, avec les gens qui disent ouais Donjons c'est super, qu'est-ce qu'on se marre, et puis les gens qui disent Donjons et Dragons c'est nul, on peut faire que du PMT. Ça c'est ceux qui ont vu le film. C'est ceux qui ont vu le film initié, donc je me rappelle du Bilbo, c'est Dr. Watson. Deuxième fois de la journée, tu reçois pas de points quand tu le passes Bilbo. Alors c'est parce qu'on a un deuxième Adolphe. Il a 2 points. Et tu viens de marquer 2 points. Et en fait, ce que j'ai commencé à écrire à l'origine, c'était des scénarios qui étaient destinés à être diffusés sur le net pour prouver qu'on pouvait faire autre chose que du porte-monstre trésor avec Donjons et Dragons. Je l'ai joué, des amis l'ont joué, certains d'entre eux m'ont dit « mais il y a matière à faire plus que des scénarios de jeux de rôle ». En définitive, ça m'a poussé à ensuite en faire une nouvelle aventure. Voilà, donc les deux relations, je peux partir aussi bien des romans d'autrui pour jouer que partir de mes propres parties de jeux de rôle pour écrire. Messieurs. Bien donné l'ambiance, hein. Non, il a dit des trucs vrais et tout, c'est bien. Sur les porte-monstre trésor. Je pense, trésor. Ben, du point de vue scénaristique, le porte-monstre trésor, comment on peut tout simplement tuer on va dire, cet enchaînement basique? Alors moi j'essaie de t'enlève le trésor. Du coup c'est vachement plus chiant parce que porte, monstre, ah c'est la panique et là t'as une histoire. C'est comme ça que je fais. Attends, je prends des notes parce que là des trucs ça va être bien rigolo. Non mais c'est Jean-Luc qui a le droit dans la file alors je lui pique pas sa place. Mais après si tu fais un deuxième bouquin tu parles que du trésor. Non, qu'est-ce qui m'a amené au jeu de rôle le fait que, enfin, moi j'ai un traumatisme d'enfance, si tu veux. Ma grand-mère me racontait les contes, genre comme tous les gamins. Mais ce qui me mettait en transe, c'était de voir que certains personnages étaient quand même des confinés. Non, attendez. On se prend 2 minutes, là, je vous explique. Le petit chaperon rouge. C'est une mongolienne. Je vous la fais. Les gens qui n'ont jamais pratiqué le jeu de rôle, s'il y en a.
vous avez le droit de participer à une espèce de pièce de théâtre, de rêve organisé, enfin blablabla, on raconte tous la même histoire, on essaie de la faire évoluer. Mettez-vous 2 minutes dans la peau de cette gamine. Mamie fait ce qu'elle veut de sa vie, mais décide d'aller vivre au milieu de la forêt. Situation d'exposition. Forêt dans laquelle il y a des loups. Et quelques aimables bûcherons qui sont payés à tailler du bois. Jusque-là, tout va bien. N'importe quel gamin aujourd'hui, face à cette situation, prend la route principale 2 jours et se fait accompagner par un adulte. Cette conne, il va à la tombée de la nuit, en chantant, avec un panier qui pue la galette dans un rayon de 50 mètres pour être certaine d'attirer tous les blaireaux du secteur. Et à la fin, on te dit que c'est bien, parce que mamie s'est faite bouffer puis gerber par un truc bizarre qui a été ouvert à la main par un monstre dont on ne sait pas qu'à la fin, en vrai, il se casse avec la bioque. Et tout ça pour te dire que ça l'a grandi. Non, monsieur, dans le jeu de rôle, si on joue le petit chaperon rouge, on a le droit d'être moins con. Et ce qui est ultra motivant, c'est de jouer le loup et d'essayer de s'en sortir. Je peux faire des trucs avec la bière, pardon. Et donc ça, c'était bien. De dire qu'enfin, on pouvait prendre le pouvoir. Après, c'était quoi la question ? Non, après le passage à l'écriture, écoute, j'ai eu du pot, j'ai bossé avec des tas de gens différents, dont l'animal là-bas, sur des jeux plus ou moins conceptuels. Et j'en ai pondu un qui était le plus conceptuel de tous, c'est la critique qui revenait systématiquement dans Casus Belli, que les moins de 20 ans, vous n'avez pas pu connaître. La critique qui revenait, c'est vachement bien, mais putain, qu'est-ce que c'est littéraire. Ok, mais j'ai compris, je vais faire des livres. C'est tout. Compliqué que ça. En fait, on t'apprenait, c'était une vraie école de l'écriture, c'était une vraie école. Parce qu'on était soi-disant des professionnels, mais c'était toujours à faire pour avant-hier, quand les mecs nous téléphonaient. Donc c'était une école de la réactivité, il fallait inventer des trucs qui se tiennent et de préférence pas les écrire en patois grec. Donc on a appris et puis voilà. C'était bien sauf pour les papas. Mais surtout, on était payés, donc en fait, c'était déjà notre métier à l'époque. Et ce qui fait la différence entre peut-être une génération et une autre, c'est que nous, bêtement, au lieu d'être postier-écrivain, on a été écrivain-écrivain. Ou rôliste-écrivain, ou... Enfin, pas rôliste d'ailleurs, plutôt roller, ce que je disais la dernière fois. C'est-à-dire que nous, on jouait pas, on écrivait pour que les autres jouent. Et c'est très très facile de savoir qui sont les bons et qui sont les mauvais, parce que un bon scénario, il est joué, un mauvais scénario, il est jeté à la poubelle instantanément dès la deuxième ligne. Et l'autre était plutôt joué que pas joué. Donc, que ce soit dans Cassius ou dans les prods des boîtes pour lesquelles on voit ça. Je fais un aparté. Très bien. Ouais, alors moi c'est un peu plus compliqué. Parce que... moi je ne me racontais pas de contes. Voilà. T'es une enfance heureuse. Ouais. T'as donc aucune excuse pour être là. Ouais. T'as choisi. Non, moi je voulais écrire, mais je ne savais pas quoi. Et puis j'ai découvert un jour les livres dont vous êtes le héros. Ça nous remonte à 80. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, j'allais dire 82 peut-être, mais non, ça doit être 3 en France. En France, et, donc j'ai suivi un petit peu ça, mais je me suis dit, oh, c'est bien, en plus c'est interactif et tout, on lit. Et puis là, j'ai tout de suite eu envie d'en écrire. Sauf que, évidemment, j'étais nul, parce que j'avais 12 ans et demi. Et après, là, juste au moment où je me disais, ouais, allez, je vais en écrire un avec mes potes, et ben, hop, ils ont sorti L'œil noir, chez Folio aussi. Où là, on s'est. Alors là, on a découvert un jeu de rôle, alors qu'on ne savait pas écrire du tout. Et le truc qui est revenu tout de suite, c'est que j'avais aucune envie de jouer les scénars qui étaient proposés, puisque moi, ça m'a donné tout de suite envie d'écrire. On a un univers, on a des. Alors je dis héros parce que voilà, c'est les gens quand même avec qui j'ai joué, ce sont eux qui ont inspiré ce que j'écris maintenant. voilà, donc moi ce que j'aime bien, c'est que les joueurs. Les joueurs, ils ont un comportement à eux, quel que soit. Un mec qui joue un gentil, un mec qui joue un méchant, un mec qui joue un neutre, c'est un comportement de joueur. Et c'est ça que j'aime écrire, parce que. Il n'a pas de destin tracé, etc. Et souvent, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi pour être gentil. D'ailleurs, voilà, il va dans les bois sauver sa grand-mère, alors que maintenant, il dirait, ah, ma grand-mère, elle a qu'à bouger son cul. Voilà. Et quand il veut être méchant, bah, il fait n'importe quoi aussi. Ça donne des trucs, des situations extraordinaires. Donc, moi, j'ai tout de suite eu envie d'écrire. Alors, voilà, du scénar. Alors, moi, j'ai beaucoup fait jouer les gens
sur mes propres scénars, mais je ne les ai jamais trop partagés avant, il y a quelques années. Là. Donc j'avais pas de feedback en dehors de mes potes de ce que je faisais. Et moi, ça m'a quand même vachement donné envie d'écrire des trucs, parce que ce qu'on me proposait à lire ne m'intéressait pas. D'ailleurs, ma prof de français, que je ne remercie pas, m'a dit « Il ne faut pas lire ça, parce que vous n'arriverez jamais à rien. » Voilà, notamment la science-fiction et tout. Voilà, donc moi je suis arrivé là complètement par hasard, du coup, donc juste en faisant des trucs que j'avais envie de faire. Là, tu fais passer l'avertissement, ne faites pas ça à la maison. Moi c'est j'ai à peu près le même parcours que Gérard, donc j'ai pas grand chose à rajouter à ce qu'il a dit. Il n'a rien dit. C'était important. Il a dit un truc important, il a dit qu'on était payé pour faire ce qu'on faisait, et c'était une chance. Je me rends compte maintenant que c'est beaucoup plus difficile, puisque en fait le thème c'est du jeu de rôle au roman. Tout à fait. Ou c'est l'inverse. Et en quête de scénario aussi, on reste sur donc cette question du scénario, de la narration, de la création d'histoire, tout simplement. Alors je pense, quitte à en décevoir certains, je pense que en fait la filiation, le passage du jeu de rôle au roman, c'est pas du tout naturel. C'est même souvent pas une très très bonne idée en fait. C'est qu'un bouquin, c'est un produit littéraire, c'est un objet en soi, ça obéit à ses propres règles narratives, et c'est pas du tout les mêmes dans une partie de jeu de rôle. En fait. Et une très bonne intrigue d'un bon scénar de jeu de rôle va pas forcément donner un bon roman, et même pas la bonne matière pour un roman. Quoi. C'est vraiment quelque chose de très, très, très très différent, ne serait-ce que pour une bonne raison, c'est qu'en général, un bon scénar de jeu de rôle, tout ce qui arrive d'intéressant dans l'histoire arrive aux joueurs. Ça arrive au héros. C'est loin d'être le cas dans un roman. Il peut se passer des tas de trucs sympas qui arrivent à d'autres personnes que les personnages principaux, que les héros. Le processus peut même être parfaitement inverse. C'est-à-dire que il m'est déjà arrivé avec des mauvais scénarios, c'est à la fin le maître de jeu explique ce qui s'est passé. C'est en général que la partie s'est mal passée. Le truc est arrivé, le méchant enfin, on a sauvé le monde, sauf que c'est pas toi qui l'as fait, puis le maître de jeu t'explique ce qui s'est passé. Alors soit c'est la partie qui était mauvaise, soit c'était le meneur, soit c'était le scénario. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bon scénario de jeu de rôle, tout ce qui est intéressant arrive aux joueurs et est produit censément par eux. Quoi. Ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe en arrière-plan, ce que font les adversaires dans la mesure où ça n'influe pas directement sur le comportement des personnages principaux, n'a finalement aucun intérêt. Ça fait plaisir au maître de jeu qui a soumis ses pulsions littéraires en imaginant des tas de trucs, il a un monde vachement riche, etc. Mais ce qui est bien dans un scénario, dans une partie de jeu de rôle, c'est ce qui se passe à la table. Ce qui est dit, ce qui est joué, ce qui est imaginé, et le renversage dans le centre, tout ce genre de trucs. C'est ça qui est intéressant. Rester dans l'auberge, j'ai juste la ruine. Voilà. Et tu peux d'ailleurs ne pas jouer le scénario, voilà. Ce qui prouve qu'il fait 5 heures dans l'auberge. Tandis qu'en général, quand tu lis un bouquin, tu peux difficilement faire autre chose que lire le bouquin. Sauf si tu lis à chaque fois la même page. C'est con, c'est livre électronique, ça marche pas. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, il est vrai que bon, il y a des. Pour moi, qui sont en fait des contre-exemples, ça va être Jean-Luc ou Ange, Gérard, Anne, d'autres, moi. Donc des personnes qui ont commencé à bosser professionnellement dans le jeu de rôle et qui sont devenus romanciers. Mais c'est presque une coïncidence. Le point commun, c'est qu'on avait envie de vivre de notre imaginaire. Et donc, à un moment, le jeu de rôle permettait de le faire beaucoup plus commodément qu'écrire un bouquin. Faute de connexion, faute de connaissances, faute d'envie par moment. Ça a été ça de nos connexions, c'est-à-dire que si on reprend notre génération à nous, parce qu'il y a Jean-Luc, il y a PH, il y a nous, il y a Fabrice Collin, il y a Mathieu Gabory, c'est quand même un petit peu. On squatte un petit peu les éditeurs depuis ce temps-là. Quoi. Et c'est toute la génération Casus Belli avant que. D'ailleurs, on a tous arrêté, ça s'est pété la gueule après. Donc peut-être. Oui, on est parti au bon moment. C'est sympa, ça doit être ça. Mais, donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est alors à l'évidence, l'auteur de jeu de rôle ou le romancier, c'est quelqu'un qui a envie d'exprimer l'imaginaire, envie de raconter des histoires ou de les faire vivre, mais sont vraiment deux métiers très 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 différents. Ne serait-ce que par le fait que le romancier produit son ouvrage, le produit de son travail est une œuvre finie. Le bouquin, c'est quelque chose qui est fini. Un scénario de jeu de rôle, c'est un outil, c'est un moyen.
Parce que la vraie création, ça va être la partie. Et donc il va y avoir des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de parties faites à partir de ce scénario-là. Mais ce qu'on leur produit lorsqu'on est scénariste de jeu de rôle, c'est un outil, c'est quelque chose qui permet de créer autre chose. Le bouquin, non, le bouquin, lui, il est fini. Évidemment, le lecteur, arrive avec son imaginaire, se recrée, apporte quelque chose. Il y a toujours un rapport très personnel, en général, entre le lecteur et un bon bouquin. Mais il n'empêche qu'on a quand même produit un truc qui se tient tout seul. Tandis que quand on crée un scénario jeu de rôle, on fait un outil. C'est le moyen de la partie. Et ça demande, d'une certaine manière, un autre talent. C'est-à-dire que je pense que l'ego est moins flatté avec un scénario jeu de rôle, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre au service de ce qui va devenir la partie. Il faut donner les moyens, les billes, l'arsenal aux meneurs de jeu pour produire la bonne partie et permettre à tous les joueurs de bien s'amuser autour de la table. En ce qui me concerne, c'est quelque chose qui a fini, moi, par me frustrer. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être un intermédiaire. Alors, c'est bien aussi, hein, ça demande du talent, de l'effort, pardon de certaines abnégations, mais au bout d'un moment, moi, ça ne me satisfaisait pas. J'avais envie de produire des trucs finis, quoi. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je m'éclatais moins dans l'écriture de scénario, mais toujours dans le jeu de rôle, plutôt dans la conception de suppléments, d'univers, de trucs, où là, on produit quand même quelque chose d'assez fini, voilà, le background. Donc, mais au bout d'un moment, ça me suffisait plus. Moi, je voulais vraiment produire des trucs qui soient... je voulais produire une œuvre, pas avec au sens grandiloquent du terme, quoi. Mais le scénario, donc, c'est un bon outil. Et lorsqu'il est réussi, c'est un bon outil. Et c'est ce que doivent produire les bons auteurs de jeux de rôle. Et c'est un talent particulier, qui n'a pas grand-chose à voir avec le talent de romancier. À part qu'il y a des grosses sur des pages. Oui. Alors, on peut cumuler les deux, être un peu doué pour faire les deux, mais il y a également de beaux romanciers qui ont été de bons dramaturges, ou qui vont être bons comédiens, ou qui vont être de bons joueurs de tennis, on ne trouve pas forcément une relation. Il y en a guère plus, finalement, entre, à mon avis, entre le jeu de rôle et le jeu. J'ai fini. Je suis d'accord. Et puis le truc qui est sympa, c'est que, comme tu disais, quand tu prends un scénar, déjà, tu commences déjà à douter à la moitié en disant à quel moment ils vont me le niquer. Ouais, t'es là, tu fais alors là, ils vont faire ça, allez, mais non. Et voilà, et donc ça, c'est le côté que j'aime bien, le truc très joué du destin à l'amour coq, où tu crois être le dieu de la partie, mais en fait, non. Ah, oh, absolument. Les trucs genre boussole à aventure, quoi. Il faut absolument aller dans cette direction, donc tout qui dirige, en général, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. En même temps, on peut aussi compter sur leur logique ou leur intelligence, c'est de se dire qu'entre le précipice large sans pont a été dévoré par les flammes et au fond tout le monde meurt, s'ils ont le choix entre un charmant sentier bien balisé, la prudence les dirigerait plutôt vers le sentier. Quoi. Ah, t'es peur. Toujours, tu fais pas assez jouer des barbares. Mais non, je peux quand même compter sur des réactions logiques et... partie, c'est pas un truc totalement anarchique non plus. Les joueurs et les personnages ont des comportements en général qui sont au moins dans leur logique à eux. Tu fais pas assez jouer des barbares. C'est plus les joueurs, là, c'est qu'on parle plus des personnages. Ouais, des joueurs, et puis aussi, on peut compter aussi sur le fait que une partie de jeu de rôle, ça peut être c'est quelque chose qui peut être très très agréable et qui consiste pas exclusivement dans saboter le scénario et tout foutre en l'air. Le pire, c'est que des fois, les gens qui le niquent, ils le font de bonne foi et en pensant bien faire. C'est un des intérêts de la chose, d'ailleurs, c'est éventuellement de prendre un chemin de traverse et de compter sur cet outil de grande réactivité qui est un meneur de jeu, logiquement, qui doit avoir un peu plus de compétences qu'un ordinateur, aussi bien programmé soit-il. Donc oui, évidemment, c'est de pouvoir compter sur l'imaginaire et la logique du meneur qui permet de faire un bon scénar, des bons joueurs et un bon maître. Ça arrive. Ça devient dur, quand même. Ça arrive. Mais donc, oui, ça revient à ce que je dis, c'est que le bon scénario, il donne le plus de matos possible, le plus intelligemment possible pour permettre, évidemment, de recréer des trucs. Mais oui, c'est en aucun cas... Ni un guide de voyage, ni un chemin à suivre, c'est un outil, c'est un moyen. C'est plus un instrument qu'une partition, en quelque sorte. Pour rebondir sur ce que mes deux petits camarades viennent de dire, je suis assez d'accord avec eux, d'ailleurs. Juste un bémol par rapport à ce que disait Pierre. Moi, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, parce que l'écriture de scénario de jeu de rôle m'a appris,
c'est qu'il y avait certains mécanismes que tu pouvais mettre en place dans le rebondissement de l'action, dans comment accrocher. Tu savais que certains événements créaient quelque chose. Tu vois, tu pouvais faire naître la peur, ou le rire, ou ceci ou cela. Et que c'est des outils que nous, on s'est appropriés de façon empirique en écrivant des scénarios de jeux de rôle et en les voyant jouer. Enfin, en les faisant jouer, mais en les voyant jouer. Je te suis, mais je pense que ça, j'ai plus appris en étant meneur de jeu et en jouant en direct, en ayant les réactions. Mmh. Parce que quand tu fais un jeu, par exemple, tu as créé un scénario qui va être une enquête policière, tu vas te retrouver avec, tu as 6 joueurs en face, c'est des potes, tu les connais bien, en principe, tu les estimes et tout. Tu sais que tu vas avoir 6 intelligences contre ton scénar, contre tes indices, contre le truc, quoi. Donc tu as intérêt à faire des trucs qui sont bien vissés. Et je trouve que tu apprends plus sur ce dont tu parlais, en direct et en étant meneur de jeu, qu'en étant scénariste, qu'en étant auteur. Je pense que la confrontation à la réaction directe avec le public, finalement, c'est comme si tu avais 6 lecteurs qui étaient là en permanence et qui te disaient « Ah ouais, non, là on n'y croit pas, là on marche pas, ça oui, là tu vois qu'ils ont donné dans le truc. » Donc ça, ouais, là par contre, ça m'en a appris beaucoup. Tu vois, les mécanismes, je pense qu'on les a, en tout cas, on a fait nos gammes là-dedans. Ouais. Et ce que disait Gérard aussi, on est complètement à l'unisson là-dessus, c'est que c'est une génération de mecs, tous ceux que tu as cités là, qui sont passés par le jeu de rôle, mais en ayant toujours envie d'écrire, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que c'était un moyen de commencer à publier dans un journal, chez des éditeurs de jeux de rôle, mais de commencer à vivre. C'est un grand mot à cette époque-là, parce qu'on gagnait, oui, on était payé, mais on gagnait pas notre vie non plus, pas déconner. Ça permettait de se confronter à une technique professionnelle de l'écriture. C'est-à-dire que n'importe qui est capable d'écrire chez soi. Se lever tous les matins à le faire et à en faire un métier, c'est plus du tout la même chose. Il y a une vraie contrainte, il y a une vraie exigence. Il est jugé par un supérieur hiérarchique qui va te remettre dans la gueule. Il faut accepter ça. Donc je pense qu'on avait tous cette envie-là, ce rêve-là. Nous, ça permettait de... On a commencé par la BD avant de passer au jeu de rôle. On a commencé par la BD, on s'est fait jeter, on est passé au jeu de rôle, on a changé de nom pour revenir à la BD, etc. Et en fait, notre premier roman, c'est un produit dérivé de... Enfin, c'est un produit de promotion d'un jeu de rôle, puisque c'était le premier roman Scales, qui était juste... l'idée, c'était juste Croc et Marc Nunes, le patron de Cyrus, qui nous disent « Les deux bozos, vous nous faites un roman pour lancer le jeu ?» Et nous, comme deux idiots, on fait « Ok !» Non, c'est pas comme deux idiots, t'as fait la réponse qu'on faisait tout le temps. Oui, c'est ça. L'idée qu'on demandait, et c'était « Oui !» Là, le mec avait même pas le temps de finir sa phrase. C'est lui. Voilà, et parce que, un, ça ne nous était pas trop venu à l'idée, deux, on n'avait pas peur, quoi. On va faire un roman, quoi. Résumer les années 80. Allô, c'est Pierre Rosenthal, j'ai besoin d'un scénar pour un entier. Ok. Facile. Non, mais je t'ai pas dit quel jeu, bon. Ça va. Ouais, on s'en fout. Voilà. Tu mets le titre. Et effectivement, on s'est dit que c'était faisable après, donc on a continué. Pour en tout cas exercice d'écriture, mais pas que, heureusement, le jeu de rôle. J'ai lu il n'y a pas très longtemps une thèse très très intéressante sur le livre univers, sur le roman univers d'une Frank Herbert, Hyperion, Dan Simmons, l'icône à l'été. De Laurent Genefort. J'ai zappé le nom. Et qui justement aborde un petit peu la question du jeu de rôle. Donc, j'aimerais aborder la question de l'univers, la création d'univers jeu de rôle et la création d'univers de roman. Parce que donc les livres univers, c'est des romans, souvent des sagas, qui prennent tout un qui construisent un univers de A à Z, même si parfois on n'a même pas affaire à ça. Et j'aimerais poser la question donc, sur la création d'univers entre donc, ce livre univers ou l'univers d'un roman et l'univers d'un jeu de rôle. Qu'est-ce qui rapproche, qu'est-ce qui les différencie et comment on les aborde de nouveau? Je crois que c'est beaucoup plus complexe. Quand tu fais un jeu de rôle, parce que tu as un support, tu as des cartes, tu as des plans, tu as des tas de choses comme ça, et qu'il faut que ce soit cohérent. Parce que c'est immédiat, quand tu te penches sur un univers avec une logique interne et des cartes, à un moment donné, où ça peut paraître complètement grotesque ou fonctionner. Dans un bouquin, tu peux tricher. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Je vais te donner un exemple qui est assez extraordinaire, Le Secret de J, toute la série, ils ont voulu l'adapter en jeu de rôle. Tous les mecs avaient triplé sur les bouquins, trouvaient ça formidable et ça avait l'air hyper cohérent. Et au moment de faire le plan du monde, ils se sont aperçus que c'était juste infaisable. Le bouquin fonctionnait. Mais donc ça marche dans un sens et pas forcément dans l'autre. Et en plus, je crois qu'on est franco-français, donc en bon franchouillard, on est toujours un peu des merdes. Et contrairement aux anglo-saxons qui ont cette culture de...
Tolkien, c'est quand même une espèce de grand maniaque qui te fait traverser. Quand il te fait traverser un verger, il faut qu'il file des noms aux arbres et des prénoms à toutes les feuilles, tu vois. 190 pages pour arriver au pot des fringons, les enfants. Le mec est pas bien, et d'un mois je vais balancer le bouquin par la pièce. Si t'es con, c'est là que ça démarre, j'en pouvais plus. Tu vois. Il y a ce côté-là aussi, il y a un moment donné, on va faire dans l'efficacité. Et dans un roman, si t'as un mythe. Le Bilbo, c'est Watson. Voilà. Et y a, tu peux tricher entre guillemets, ça te demande, ça veut pas dire que tu fais n'importe quoi et que tu n'as pas travaillé en amont cette cohérence-là, mais tu vas, c'est un peu le paradoxe, tu vas, alors après je vais peut-être me planter, donc tu vas me dire, quand tu fais un jeu de rôle, tu donnes effectivement tous les outils pour que les gens deviennent les personnages, quand tu écris un bouquin, tu dois d'abord t'intéresser à l'humain, donc créer des personnages. Et c'est ce paradoxe-là, donc si tes personnages sont suffisamment forts en roman, tu peux quasiment faire tout avaler. Parce qu'on va s'attacher à eux, parce qu'on va s'identifier à eux ou pas, parce qu'on va les aimer ou les haïr, et donc on va les suivre. Tandis que dans le jeu de rôle, quand tu prends le pouvoir et que c'est toi le personnage, tu as envie que ce qu'on te raconte soit vraiment bien réel à tes yeux et que ça puisse prendre corps. C'est deux démarches qui sont quasiment antagonistes. Et c'est là que le t'as beaucoup de romanciers qui auraient adoré faire du jeu de rôle et je pense qu'ils seraient incapables de faire un scénar. Dans l'autre sens, ça fonctionne plus parce que justement on a appris des trucs. Et que l'essentiel il est là. C'est vrai, hein, la primauté du personnage dans la construction du roman. Ceci dit, moi j'ai le sentiment que dans la construction du personnage, il peut y avoir des mécanismes ludiques qui sont vraiment présents dans le jeu de rôle. Ce qui m'y fait penser, c'est que j'ai trouvé chez un certain nombre d'écrivains archi-classiques, absolument pas fantasy ou SF, des petits indices qui montrait qu'ils avaient abordé la composition du personnage comme nous on pourrait aborder la création d'un personnage. L'indice le plus net, c'est chez un auteur qui pourtant a vraiment strictement rien d'un auteur de fantasy, c'est chez Sartre, qui dit que dans son autobiographie, que sa vocation de la littérature lui est venue du fait qu'enfant il se prenait pour Pardaillan. Il était Pardaillan, il voulait être Pardaillan, c'est-à-dire le héros de cape et d'épée des romans de Michel Zébaco. Et il y avait un petit problème, Poulou, c'est son petit nom, parce qu'il était petit, il avait un gros strabisme. Et par conséquent, confronté aux autres enfants, il se rendait bien compte qu'il n'était pas Pardaillan. On le laissait de côté, on ne voulait pas jouer avec lui, etc. Et là, il s'est investi dans son enfance, dans la création de personnages. À défaut d'être Pardaillan, il allait être l'auteur de l'équivalent de Pardaillan, mais ça lui servait toujours à investir un personnage. Alors il n'avait pas le moyen du jeu, mais il se comportait vraiment comme un rôliste, quoi. Il créait un personnage qui pouvait jouer par le biais de la plume. Alors, chez Sartre, c'est net dans son enfance. Alors ensuite, il a renié ça, il a dit que c'était une imposture, que c'était pas ça la littérature, etc. Mais j'en vois des traces chez d'autres auteurs. Beaumarchais, quand il écrit ses pièces, il dit qu'il écrit sous la dictée de ses personnages. Ah oui, mais ça c'est... Il prend de la drogue aussi, peut-être. C'est ça. C'est-à-dire, je pense, les personnages sont dans ta tête. Mais c'est parlant, quoi. Et on se retrouve en situation de jeu, pour le coup. Alors, il y a d'autres auteurs. Donc je pense que dans la création du personnage, même chez l'homme de lettres qui ne fait absolument pas du jeu de rôle et qui ne connaît pas ce que c'est, il peut y avoir des mécanismes créatifs qui sont proches de ceux du jeu de rôle. Je pense qu'on a tous été confrontés aussi à ce personnage au départ qui est un second couteau et qui prend un peu le pouvoir, oui, qui s'impose et qui monte en force. Non, je sais pas, tu sais pas ce que tu as raté. Quand ils font chier. Et moi, pour bon, ce que tu disais, en fait, sur l'univers lui-même, pas sur le personnage, en fait, moi, je travaille en même temps sur le roman et le jeu de rôle. Et effectivement, tu te rends compte à quel point travailler pour le jeu de rôle, c'est quand tu te parlais de construire un univers de A à Z, c'est pas vrai, parce que c'est jamais A à Z. Parce que toi, tu penses avoir tout fait, et en fait, quand tu lâches des joueurs, alors là, tu te rends compte de tout ce que t'as oublié. Genre, tu dis, ouais, vous pouvez jouer plein de trucs, vous pouvez... Et là, le mec, il fait, ouais, mais là, ah merde! Alors, oui, effectivement. Joueur, c'est le mec qui, au fond de la piscine, commence à creuser, tu vois. tu crois avoir écrit tout ce qu'il faut et tout, mais en fait, non, tu te rends compte que tu as fait 10%. Alors, moi, c'est pour ça que le plus gros de mon boulot, moi, c'est d'écrire pour mon jeu de rôle gratuit. Parce que, à chaque fois que je parle d'un truc dans un roman, comme je travaille en même temps sur le roman, le jeu de rôle et tout, je place des bouts de l'un dans l'autre, et le jeu de rôle, je me rends compte, il est 10 fois plus gros que ce que j'écris, en fait. Parce que quand je parle d'une ville,
Bah, je fais comme Tolkien, du coup. Quand je parle d'une ville, bah, y a des noms de rues, je sais où sont les tavernes, etc. Et, mais ça, les joueurs en ont besoin. Parce que tu ne dis pas, dans ta ville, il y a une rue. Dans ma ville. Et voilà. Voilà. Vous rentrez dans une auberge. Ouais, mais comment elle s'appelle? Comment s'appelle le patron? Alors là, ah merde. Alors sans aller aussi loin, quand tu veux te filer à, je vais dire, donner à manger aux joueurs, parce que quand tu as beaucoup de joueurs, par contre c'est vrai que quand on jouait avec une table de 6, bon, voilà, tu sais que c'est toi qui les fais jouer, il faut travailler un peu. Mais quand tu as des milliers de joueurs, tous qui sont en train de faire des parties différentes, c'est un boulot de malade, quoi. Et là, tu rentres dans la construction d'univers. Et l'avantage, moi, ça m'aide énormément parce que je travaille tellement là-dessus que quand j'écris mon bouquin, je ne me pose jamais de questions. Parce que je dis, quand un tel parle d'un truc, je sais où c'est, etc. Et si je ne sais pas, je l'ajoute. Et ça me fait des cross-références. Et moi, je travaille comme ça, un peu comme une construction d'univers 3D, en fait. Puis bon, après, j'en replace un peu... mais c'est les joueurs et le jeu de rôle, ça apporte énormément sur le côté structuré du travail, que tu n'es effectivement pas du tout obligé d'avoir dans le roman. Et d'ailleurs là je le vois encore plus parce que comme je travaille sur une série en animation avec des scénaristes qui eux viennent du milieu de l'audiovisuel, qui est bien pire que les gens qui sont dans le roman, parce que eux, ils n'obéissent à aucune règle et ils sont absolument pas structurés. Et je leur casse les pieds. Mais à longueur de journée, parce que le mec, si un, enfin vous l'avez remarqué quand vous regardez des films américains, notamment, on se soucie jamais de aucun détail dans ce qui est genre déplacement, etc. Les mecs ils sont là, le lendemain ils sont là, etc. Ça dans le cinéma c'est court. Alors quand on travaille sur un univers structuré avec des scénaristes de l'audiovisuel, c'est horrible. Parce que le mec il dit bon alors là ils sont là, puis là ils sont là. Je fais, mais non, ils sont à pied, il y a 100 km. Ah, mais tu penses comme ça, toi? Mais parce qu'il se passe. Le joueur pense comme ça, en tout cas. Je fais, moi, quand je regarde un truc, ça me choque. Donc, les gens pour qui j'écris, ça va les choquer. Et c'est vraiment super perturbant. Et là, tu te rends compte, quand tu regardes les films, tu comprends pourquoi c'est n'importe quoi. Parce que quand tu n'as pas la base de structure, un minimum, d'avoir fait des gens, jouer des gens dans un truc où ça doit tenir debout, parce que enfin, y a des jeux où tu fais n'importe quoi, mais ils sont connus pour ça, tout, par exemple. Ouais, voilà. Bon, quand tu le sais, tu vas pour faire n'importe quoi, mais comme je disais pour le donjon d'Albeuc, bon d'accord, c'est n'importe quoi, mais c'est pas pour ça qu'il faut le faire n'importe comment. C'est ce que j'aurais dit aux gens de la série. Donc là, maintenant, ils ont compris, ça se passe bien. Mais c'est très difficile de, à chaque fois, devoir remettre en question des trucs basiques que n'importe quel joueur, tu lui dis non, tu peux pas entrer par cette porte, il va te dire pourquoi. Le scénariste, il va te dire non, tu peux pas entrer par cette porte. Le scénariste de audiovisuel, hein. Le scénariste de jeu de rôle, il va faire ah merde, faut que je trouve un moyen pour qu'il puisse pas rentrer par cette porte. Donc c'est tout un chemin de pensée. Le jeu de rôle, moi, ça aide beaucoup à travailler là-dessus. Et du coup, quand tu écris un roman qui a rien à voir avec le jeu de rôle, comme j'ai fait pour le bouclier obscur, tu te rends compte que tu as ces chemins de pensée. De te dire, putain, est-ce que ça c'est logique? Est-ce qu'un tel doit être là? Est-ce que machin doit faire ça, etc. Tu les acquiers, tu les gardes. Ouais, ouais. Mais je pense que ça doit dépendre des gens, parce qu'il y en a apparemment, ça leur ils en soucient pas trop. Mais quand t'as l'habitude, après, ça aide vachement à développer un chemin de pensée où tu fais pas quelque chose sans réfléchir aux conséquences, aux causes, etc. Ça peut aider. Pierre, sur la question? À savoir. Univers jeu de rôle, univers du roman. Bah non, moi je peux que abonder dans le sens de ce qui a déjà été dit. J'en veux pour exemple là, sur le prochain bouquin, c'est un nouvel univers, c'est un univers imaginaire, c'est plus un univers historique. Et j'ai développé une carte de cet univers pour régler. Déjà pour éviter de foutre un royaume à l'est dans un chapitre et qu'il se barre à l'ouest dans le chapitre suivant, parce que quand il se passe 250 pages entre les deux, on peut faire ce genre d'erreur. Le gars qui s'amusait à essayer de faire les cartes de l'univers de Genel pour Drus, il s'arrache encore les cheveux, mais il est obligé de faire des choix. Quoi. Parce que Genel dit des trucs qui sont en totale contradiction d'un bouquin à l'autre.
Donc pour éviter ça, je m'étais fait une carte. Et puis moi, pour moi, c'est plus facile. Puis ensuite, ça permet de calculer les temps de déplacement parce que j'y apporte de l'importance aussi. J'ai pas envie que les mecs, ils fassent... Alors, de temps en temps, je triche un peu, un petit peu, si ça peut m'arranger, mais je veux pas faire de trucs qui soient des... qui entrent vraiment... qui deviennent aberrants, quoi. Moi, ça me gêne. Même si, paradoxalement, je pense que je suis un de ceux que ça fait... ça ennuie le plus, parce que le lecteur, s'il est pris par le fil de l'histoire et dans l'action, par le roman, il ne va pas forcément le voir. C'est le lecteur qui s'arrête vraiment et qui commence à prendre des mesures. Mais il y en a des comme ça. Oui, c'est ceux qui t'envoient des mails. Voilà. c'est ceux qui t'envoient des mails de ce genre-là. Alors j'ai calculé. Est-ce que la lieu de tel pays, c'est la même lieu que toi? Parce que c'est la seule solution qui expliquerait que... Mais oui, c'est exactement ça. Ce n'est pas la même lieu. Et donc j'avais cette carte, et qu'au bout d'un moment, lorsqu'on a, là il n'y a pas longtemps, on discute du produit du bouquin, quoi, on en est à la fabrication du livre, et on dit, bah, est-ce qu'on met une carte, quoi? Ça ne coûte pas particulièrement cher, on demande à un illustrateur de la faire, on fait ça bien, est-ce qu'on fait une carte? Et on en a parlé, et finalement j'ai décidé que non. Parce que certes, ma carte elle est établie, elle est vraie, elle est là, et j'en bouge plus trop, c'est-à-dire que je ne vais rien en retrancher, par contre j'ai peut-être envie d'y rajouter des trucs. Et j'ai pas envie de me retrouver piégé par mon propre univers, c'est-à-dire d'avoir besoin d'une ville au bon endroit dans le tome 2 ou dans le tome 3, et de pas pouvoir l'y mettre, parce que le malade qui mesure les lieux, c'est le même qui revient et qui dit « Comment ça se fait que la ville-là, elle y était pas ?» Alors tu peux lui dire « Bah la carte était pas assez précise. » Ouais, mais dans ce cas-là, la ville, elle était déjà là. Oui, alors comment ça se fait que dans le tome 2, quand ils ont fait ce chemin-là, ils sont pas passés par cette ville ? Héroïstes ! Donc, t'as dit, bah, je sais pas, achète-toi une vie déjà. Le genre de mec qui serait jamais laissé bouffer par les loups, tu vois. Mais la différence fondamentale entre le scénariste de jeu de rôle ou l'auteur de jeu de rôle et puis l'auteur de roman, c'est que l'auteur de roman, il a des lecteurs qui peuvent être super emballés et donc heureux d'avoir pris son bouquin et l'avoir lu. Des fois un peu tristes parce qu'ils ont été déçus ou qu'ils n'ont pas du tout aimé, mais en tout cas, aucun de ceux-là jamais vient prendre la tête avec des points de règle. Non, mais on a tous des dingues. Sinon, ce serait triste, la vie. Ouais. Mais c'est, et pour ce qui est des déplacements, par contre, c'est le fait de devoir les respecter. Je ne sais pas si, toi, ça t'a parfois posé un problème du point de vue de construction de l'histoire. C'est-à-dire que moi, je me suis surtout trouvé face à des difficultés. Je comprends les mecs de l'audiovisuel qui ne s'emmerdent pas avec ça, parce que ça peut nuire au rythme de l'intrigue. Ouais. Et j'ai souvent, moi, été emmerdé, surtout avec les, par exemple, avec les Lames du Cardinal, qui se passent vraiment en France, et j'ai beau faire ce que je veux, bah, Versailles, il y a telle distance de Paris, ouais. Ils sont capables de... On ne peut pas inventer ça, quoi. Ou alors, faut vachement bien plier la carte. Voilà. Je peux pas le réinventer comme je veux. Et par moments, je me trouvais éventuellement avec un problème de rythme, parce que c'est assez difficile. Si dans la construction de votre histoire, vous avez deux scènes, vous avez envie qu'elles se suivent parce qu'elles vont avoir un impact vachement fort, mais qu'entre les deux, physiquement, il y a trois semaines de bourrin ou de carrosse, tout d'un coup, l'enchaînement va être vachement moins percutant. Même si vous faites une ellipse et vous dites, et trois semaines plus tard, on n'a plus l'impact de la scène, de deux scènes qui vont suivre. Et donc parfois, j'étais obligé de, comme je ne pouvais pas tricher avec les durées, j'ai déplacé des scènes, quoi. Je me disais, plutôt qu'arriver là, elle va arriver là, donc il faut que je m'arrange pour que... Donc parfois... ça pose un problème à ce niveau-là, au niveau du rythme de l'histoire, parce que, et là, on vit dans notre monde de maintenant, et une histoire, il faut qu'elle aille, il faut qu'elle fasse. Là, maintenant, le lecteur, le spectateur, le mec qui va au cinéma, qui regarde des séries télé, qui lit la BD, il peut plus, il se satisfait plus d'un rythme de narration comme il y a ne serait-ce que 10 ans. Quoi. Regardez de très 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 bonnes séries, des séries qu'on adore, je sais pas, NYPD Blue, par exemple, qu'on a adoré, Gérard et moi, qui est série culte. Elle est toujours aussi bien, mais on la voit maintenant, elle était révolutionnaire à l'époque, et là on se dit, putain, mais c'est blanc, quoi. Et ensuite on se dit, waouh, il y a une intrigue A, il y a une intrigue B, il n'y a pas d'intrigue C, vu que c'est arnaque. Et notre goût à tous a changé, a évolué, on veut des trucs qui vont vite. Ça ne veut pas dire que c'est torché, ça ne veut pas dire que c'est moins bon, mais le rythme de narration, le rythme narratif, c'est vraiment accéléré. Donc ça, on est obligé de le faire, enfin, parce que moi, je considère que mes concurrents, ce n'est pas mes collègues auteurs de romans. Mes concurrents, c'est le cinéma, c'est la télé. C'est contre eux que je me bagarre. C'est à eux que j'arrache des lecteurs. Donc, il faut que je sois conscient de ça.
En plus, moi, ça ne me coûte pas particulièrement. J'adore, je suis très amateur de séries télé. J'adore ce rythme narratif qu'on a maintenant. Et c'est, en même temps, cette densité dans la narration qui est exceptionnelle. Parce que les bonnes séries, elles vont vite, mais elles en racontent toujours autant, voire beaucoup plus, avec beaucoup moins de moyens. Donc c'est prodigieux. Donc il faut faire pareil en bouquin. Et parfois, la géographie est chiante pour ça, parce qu'elle s'entête à être lente. C'est que... Donc il faut parfois ruser, ou alors s'en foutre. Il y a deux écoles, quoi. Moi, je suis de l'école qui s'emmerde. Chalot-galot, ça va toujours la pièce d'un chalot-galot. Voilà, tu peux pas faire mieux. Mais avec Peter Jackson, l'auberge du Poney Fringant, c'est au bout d'un quart d'heure. Pas loin. Il a entièrement. Mais tu peux pas envoyer les hobbits en catapulte. Ouais, mais tu peux faire du lancer de nain. Ça, c'est dans le plan. Ouais. Ça doit se faire, ça, une catapulte. Jean-Philippe, sur la question ou... La difficulté sur la géographie qui soulève Pierre, c'est aussi pour moi une difficulté au niveau du jeu de rôle. Moi, j'ai eu tendance à resserrer, en faisant du jeu de rôle historique, pour le coup, à resserrer mes scénarios sur de courtes périodes et sur des espaces géographiques finalement bref. Alors, ce qui s'y prête bien, c'est ce qui se passe dans une ville où il y a beaucoup de personnages dans un espace qui est très réduit et donc qui permet de ne pas avoir le problème du temps. Ce qui s'y prête bien, c'est l'intrigue resserrée pour des raisons, alors, à cause d'un siège, à cause d'un banquet, enfin, pour un événement très très précis qui permet de fixer les personnages et de ne pas avoir à gérer ce problème. Donc là, je trouve que le problème, il est valable aussi bien pour l'écriture romanesque que pour l'écriture scénaristique. Et je pense que c'est un truc quand même sur ce qui fait un bon scénario, du rôle, une bonne partie en particulier, parce que c'est surtout ça qui prend compte que le bon scénar, c'est la bonne partie. Et c'est aussi pour ça que parfois ça ne donne pas toujours de très bons romans lorsqu'on contente purement de retranscrire. C'est ne serait-ce que calculer le temps qui est consacré au combat dans une partie de jeu de rôle. En principe, la plupart des jeux, il y a quand même pas mal de conflits, le temps qui est passé, mais physiquement, arrivé des combats. Si vous respectiez ce pourcentage, ce pourcentage, cette répartition en nombre de pages sur un bouquin, ça, on arrive à des trucs aberrants. Ouais, malade, ouais. Sans compter qu'on n'aurait même plus le vocabulaire. C'est-à-dire qu'on n'a même pas assez d'outils dans la langue pour faire des combats qui se déroulent sur 50 pages, sur des bouquins des 100 pages. Voilà, c'est système ICE. Et au cours d'une partie du jeu de rôle, moi j'en ai joué beaucoup, mais on s'est éclaté à faire des tas de combats, et même un bête combat de table de rencontre qui nourrit justement un voyage un peu long, on a pu s'amuser beaucoup à le faire. Par contre, comme matière romanesque, c'est d'une pauvreté ahurissante, quoi. Si tu rencontres une table. Parce que... Je vais reprendre le début de la conversation, t'as pas assez de barbares dans tes lecteurs. Mais j'ai relu un bouquin c'est Mélanie qui l'a fait, c'est tiré du jeu God of War. Et donc, je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo God of War, c'est un jeu de baston, quoi. C'est un jeu d'action pur, un petit peu de plateforme, mais le mec il passe son temps à trancher les gars, quoi. Et le mec qui a écrit le bouquin, parce que moi je l'ai relu pour la cohérence, comme je connaissais bien le jeu, et en fait, le mec il a été assez cash, quoi, c'est qu'il raconte vraiment, en gros, le premier jeu sorti, le God of War 1, avec pratiquement tous les combats qui s'y déroulent, quoi. Donc honnêtement, d'un point de vue du boulot de romancier, merde, chapeau, quoi. Moi j'aurais pas pu, quoi. Parce qu'il trouve quand même des moyens de remettre ça, c'est assez dynamique. Mais avec tout son talent et tous les efforts visiblement qu'il a fait, au bout d'un moment, c'est chiant. C'est chiant, c'est que le mec, il arrive, il passe d'un niveau à l'autre, d'un plateau à l'autre, d'un écran à l'autre, et blum, il a des gens, et ensuite il tue des gens, et ensuite il se bagarre, et ensuite il affronte des gens, et ensuite il est mort. Okay. Donc ça prouve bien que, et ça c'est presque valable pour une partie de jeu de rôle aussi, d'autant plus que autant le scénario peut être génial, l'ambiance peut être fabuleuse, mais le joueur ne tripe jamais et ne se sent jamais autant en danger que quand il y a un combat, quand il y a un vrai enjeu qui est la perte de son personnage, parce qu'à ce moment-là, c'est la perte de lui-même. Si on joue bien, il est,
il est dedans, quoi. Donc les combats sont surévalués d'un point de vue dramatique romanesque. Ça passe sur une table de jeu de rôle, ça fonctionne absolument pas en roman. Ou alors c'est vraiment très 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 pauvre. Et j'ai eu, pour mon malheur, l'occasion de lire pas mal de romans qui étaient vraiment des parties racontées, quoi. Et on voyait que le maître de jeu, en plus, il voulait faire visiblement plaisir à tous ses personnages, à tous ses joueurs, donc tout le monde avait son petit moment de gloire, etc. Et c'était long, c'était ennuyeux, parce que ces combats, que j'imaginais parfaitement passionnants et très agréables à faire, à vivre, une fois qu'ils étaient racontés et qu'ils étaient décrits, aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt. Donc méfiez-vous, les bonnes parties, ça n'est pas forcément une bonne, un bon matériau de roman. Ouais, sinon, nous, on fuit beaucoup, en fait, aussi. Généralement, ça va plus vite. Au niveau vocabulaire, c'est bien. Ouais, ouais. Ah oui, puis la langue française, il y a tellement de mots pour dire que tu fuis. Ça doit être historique. Il y a défense élastique, replier, repenser. C'est ça. Et ben, comme les barbares, on va revenir au début de la conversation. Est-ce que vous avez des questions pour nos auteurs? Au revoir. Qui ne concerne pas les chiens. C'est impossible qu'il n'y ait pas de questions. Ah. Je voudrais savoir si vous connaissiez et si ça vous a inspiré pour des parties de jeux de rôle. Je pense particulièrement à Paul parce que j'en ai entendu parler sur Internet. Calon, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Savoir si ça vous avait inspiré justement. Ouais, mais en plus, c'est marqué dans mon site depuis longtemps. D'accord, j'avais vu ça, mais sécurité. Non, ça, c'est vraiment un truc dans le genre, parce que sur le net, il y a beaucoup d'écrivains qui ont posté des trucs depuis la nuit des temps. Beaucoup où tu vas voir et puis tu fais. Alors, le mec qui a posté les aventures de Calonne, c'est un truc extraordinaire. C'est que dès les trois premières lignes du truc, tu décroches pas. C'était vraiment une démystification de la fantasy pour tous les gens comme moi qui en avaient marre de lire justement des aventures avec des héros qui n'étaient pas Pratchett ou qui n'étaient pas Moorcock. Voilà. Et en fait, voilà, c'est. Alors, lui, il a fait quand même pas mal de jeux de rôle, mais d'après ce que je me souviens. Mais vraiment, c'était vraiment un truc sur le net qui était qui moi m'a pas mal donné envie de faire ce que je fais. Et en plus, il y avait beaucoup de matière. Malheureusement, il n'a jamais été publié. Même si j'ai essayé un peu de travailler avec lui pour que ça se fasse, mais c'était des trucs qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais donc oui, pour ta question, oui. Il y a d'autres questions. Oh, j'en ai peut-être une. Si tu n'ajoutes aucun. Pour parler un peu, pour sortir un petit peu de la narration et de ce thème-là, tout à l'heure, vous aviez évoqué que Casus Belli, à l'époque, c'était plutôt le bon endroit pour faire des choses. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut écrire du jeu de rôle, est-ce que le. Alors, je vais utiliser un mot un peu moche, le marché a changé, l'ouverture pour des nouveaux. Le marché existe plus. Voilà, des nouveaux auteurs, enfin. De jeu de rôle pour vos scénaristes, ou enfin, quelle est la différence entre votre époque et aujourd'hui? De l'argent. De l'argent. Il y avait plus d'argent. Il n'y a pas que ça. Casus c'était tout seul, quasiment, et d'une. Et de deux, je te rappelle qu'à l'époque, on n'avait que le Minitel, quoi. Eh les gars, ouais. Ça fait. Ouais, ça mais moi, j'ai jamais rien placé dans Non, mais tu vois, ça change la donne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'avais pas de moyens d'échanger, de moyens immédiats, de récupérer des images, de la doc, des choses comme ça, des idées partout, ben, t'allais gentiment ta petite boutique acheter un supplément ou t'allais au bar tabac du coin acheter ton Casus pour avoir du matos. Ah oui, bien sûr que ça a changé. Comme il n'y avait qu'un seul espace, le joueur, entre guillemets, était bien discipliné et bien consommateur. Et aujourd'hui, y a eu déjà deux générations de rôlistes qui sont arrivées et qui ont appris les bases du boulot. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus un mec dans les boutiques. Arrêter, ou alors ils viennent juste regarder ce qui se fait, histoire de pas mourir idiot, mais ils sont tout à fait capables de produire eux-mêmes. Donc aujourd'hui, le marché n'existe plus. Le jeu de rôle, c'est un. Il y a toujours autant de rôlistes, je crois, sinon plus, sauf que bah, tu les vois plus, c'est-à-dire qu'ils sont entre eux, ils sont organisés, ils sont capables de produire eux-mêmes leurs trucs. En boutique, c'est flagrant parce que de notre temps, si je puis dire, on a
avait la proportion, on va dire, il y avait 90% des étagères qui étaient jeux de rôle, c'était jeux de plateau et un petit peu quelques rares jeux de cartes. La proportion s'est inversée. C'est vraiment, et c'est pas plus mal, parce que ce qui est assez amusant, c'est que en particulier dans les jeux de cartes, les jeux un peu apéritifs, les trucs qui se jouent vite, les règles s'expliquent rapidement, qui sont parfois très très bien, parce que les règles simples n'impliquent pas forcément un jeu simple. Parmi ces, il y a une invention, il y a une multiplicité des thèmes qui sont abordés, qu'on trouvait avant dans le jeu de rôle, quoi. On a vraiment connu une époque où il y avait des nouveautés tous les mois, plusieurs nouveautés de jeux de rôle par mois, et on se demandait qu'est-ce qu'ils allaient nous faire. Ouah, un jeu sur les gangsters, un jeu sur les mayas, un jeu sur ceci, un jeu sur cela. On avait ça. Il y avait ce bouillonnement, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de jeux qui étaient parfois assez. Qui étaient vendus. Comme des jeux, mais c'était parfois assez simpliste. Hein. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quand même, parfois, sur ce qui était les pages de background, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Quoi. Mais on s'en foutait plus ou moins parce qu'on se disait « Ah ouais, bah, du coup, on va pouvoir jouer des cow-boys, on va faire ceci, cela. » Et ça, je le retrouve maintenant dans les jeux de plateau, dans les jeux de cartes, où vraiment, on joue tout, là, aussi bien des trucs qui se passent dans la Renaissance italienne qu'à Venise, que... on joue les barons du rail. On joue des trains, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je suis un train. Donc c'est. Comme si la ferveur. Pas là, forcément. Ouais, la ferveur, la création s'était déplacée, avait occupé un autre terrain. C'est comme ça. Je suis un cultivateur de haricots. Je sais pas si vous le connaissez. Si oui, on joue des nains de jardin. Ouais. Donc c'est. Et ça, c'est très bien. Mais là, pour le coup, ça a vraiment changé. La chance qu'on a eue, c'est qu'on pouvait quand même, on en vivait très mal, mais on pouvait quand même gratter des sous ici ou là. Quoi. Maintenant, des types qui vivent du jeu de rôle, des éditeurs, il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup, il y en a beaucoup moins, non seulement en termes de marque, si je puis dire, mais au sein des structures. Moi, je vois ce qu'était Cirrose, enfin Asmodée à l'époque, au niveau du jeu de rôle, le nombre d'employés qu'il y avait, de salariés, plus ensuite les auteurs freelance qui étaient attachés à Asmodée, par rapport à maintenant ce qui se fait, par exemple, chez une très bonne boîte, Sans Détour, quoi, ça n'a rien à voir. Sans Détour, ils doivent être trois permanents. C'est vraiment plus du tout les mêmes effectifs, parce qu'il n'y a plus les mêmes moyens. Et pour poser la même question sur le roman, l'écriture en général, bon, c'est un peu plus connu, entre guillemets. Est-ce qu'on a de la place pour l'écriture fantasy aujourd'hui sur, pareil, j'utilise encore le mot moche, marché. Sur le marché, bah, a priori, les ventes sont effondrées en l'espace de 20 ans. Hein. Ouais, mais j'ai vu les 5 dernières années, c'est tout le monde. Un roman à succès dans les années 80, c'était un roman qui faisait facilement les 100 000 exemplaires. De nos jours, quelques milliers d'exemplaires, c'est pas mal. Donc, il y a vraiment un effondrement au niveau des ventes. Expliquer à quoi c'est dû. Est-ce que c'est une nouvelle technologie ? Est-ce que ça suit la courbe générale de gens qui lisent plus ? C'est ça qu'il faut se poser la question. Il reste des gros lecteurs. Est-ce que c'est un rapport à ce qu'on fait nous, ou est-ce que c'est un rapport au fait que les gens lisent plus ? Il y a plusieurs facteurs. Un, le livre est de plus en plus cher. C'est-à-dire que si tu repasses le prix d'un roman aujourd'hui en franc, tu te demandes si tu l'aurais acheté en franc. C'est juste pas possible. À 150 c'est devenu n'importe quoi. Alors bon, les éditeurs vont te raconter que le prix du papier, ça c'est vrai, a été augmenté de 200% il y a quelques années. Ok, mais ça justifie pas le prix. Deuxièmement, alors tu veux qu'on parle de marché, on va reparler de choses qui fâchent. Les mecs qui sont là, c'est le serpent qui se mord la queue en France. C'est-à-dire que il faut savoir qu'aujourd'hui, un éditeur, pardon si je quitte complètement le sujet du débat, un éditeur gagne plus de pognon aujourd'hui en distribuant des livres qu'en vendant les siens. Okay, je vous donne un exemple qui parle. Gallimard gagne aujourd'hui plus d'argent en distribuant des petites boîtes et en distribuant ses propres bouquins qu'en vendant les siens. Je vous la fais courte. Quand vous mettez un bouquin dans un camion pour un distributeur qui généralement appartient, Gallimard a son propre système de distribution, vous avez Hachette d'un côté, Editis de l'autre, c'est les trois gros, hein, on va simplifier. Le distributeur prend 6% du prix du bouquin pour l'amener jusqu'au libraire, et reprend 6% pour le ramener, éventuellement il prend 3,5% pour le stocker.
On est d'accord? Maintenant, je te donne un exemple qui tue. Je ne vais pas te donner les noms, mais c'est une boîte spécialisée dans la littérature plus jeunesse qui marche très 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 bien. Et un jour, le directeur des ventes se fait appeler par un gars de chez Hachette qui lui dit non, c'est vachement bien, ça marche bien, vos bouquins. Ça marche quand même vachement bien. Le gars croit que c'est un compliment. En fait, non, c'est un reproche. Et en gros, à mot couvert, on lui explique que c'est embêtant. Parce que ces livres se vendent, ce qui veut dire que le distributeur ne prend que les 6% à l'aller et qu'il n'y a pas de retour et pas de stockage. Donc, on lui glisse dans la conversation que si au milieu de toute cette production, puisqu'il gagne de l'argent, il pouvait nous glisser 2-3 mousses, de façon à ce que ça revienne avec les 6% et pas 10%, on resterait amis. Ça, c'est la logique aujourd'hui. Et c'est donc, attendez, on est bien d'accord. Okay. Donc, à partir du moment où c'est... finalement, on a de moins en moins d'éditeurs. Les éditeurs sur la place parisienne, c'est la peau de chagrin. Aujourd'hui, tu as des gestionnaires, des gens qui font les camemberts avec des parts de marché et tout, blablabla, et qui sont payés par le distributeur. C'est là le nerf de la guerre. Tu es dans une logique où un libraire aujourd'hui, moi, le libraire, ce qui me fait mal chez lui, c'est son dos. Parce qu'en fait, c'est un soutier, le mec, aujourd'hui. Il reçoit 180 nouveaux romans par mois. Donc, il reçoit des caisses entières de bouquins. Je te la fais courte aussi, je suis allé à Provins une fois, et on rencontre des amis, et ils ont des mots, mais on me demande un album. Je pense bien que je ne vais pas me balader tout le temps avec des bouquins. Donc, bêtement, je vais à la libraire de Provins qui me dit qu'effectivement, il a peut-être des albums dans le fond. Ah ben attendez, ils sont dans les cartons. Donc, je le suis en réserve. Et je te jure que c'est vrai, il y a 20 cartons empilés qui ne sont pas ouverts. Il me dit, alors attendez vos bouquins, ils doivent être dans celui-là. Donc, il sort un carton, il l'ouvre, il me file des bouquins, je l'achète, je suis content, je vais les offrir. Puis avant de partir, je lui dis, mais les autres cartons. Il me dit, si vous avez regardé ma librairie? Ça, c'est ce que je viens de recevoir dans la semaine. J'ai pas la place pour les sortir. Si je les sors, je suis même pas sûr des langues. Il va falloir que je les remette dans les cartons pour les renvoyer. Alors là, ils attendent. On est dans cette logique-là aujourd'hui. Donc ça devient très très compliqué. Je pense pas qu'il y ait moins de lecteurs. Je pense qu'il y a toujours autant de lecteurs, qu'il y a un pouvoir d'achat qui s'effondre, que le livre est de plus en plus cher, et qu'en plus, il y a encore 10-15 ans en arrière, le libraire, il avait le temps de mettre le nez dans les bouquins. Pas tous les lire, mais au moins de mettre le nez, donc d'être d'avoir un vrai pouvoir de conseil. Aujourd'hui, comment tu veux, il est submergé par les bouquins. Donc on est en train de changer petit à petit les règles du jeu et ça devient de plus en plus compliqué d'en vivre, tout simplement, mais à tous les niveaux. Parce que... Et puis il y a autre chose aussi, il y a un dernier truc, c'est pas pour enfoncer mes petits camarades des éditeurs, quoique. On n'est pas anglo-saxon, tu vois, je suis intimement persuadé qu'en France, une fraîchement divorcée avec 3 enfants, chômeuse en fin de droit et une histoire de petit sorcier à lunettes, avait une chance de publier. Sans connaître le mec qui connaît le mec qui connaît le mec qui connaît le mec. Les anglo-saxons vont te laisser ta chance, en prenant parce que c'est une bonne idée, on va y aller. En France, bah écoute, ça fait 5 ans qu'on bouffe du vampire à la laine fraîche. Réfléchissez, et avant vous faites du barbare depuis 10 ans ou du dragon, vous avez dit, mais dans votre truc là, vous n'avez pas un dragon, aujourd'hui il faut faire du vampire, tu vois ce que je veux dire. Moi je suis en thriller, si t'as pas un nom qui avec une consonance de marque d'Esquimaux, ça passe pas en ce moment, tu vois, faut que ça se passe sur 600 pages et dans un pays où il fait froid. Le problème c'est qu'ils ont pas le. Voilà, on n'est pas un pays de découvreurs, on est un pays de réseau. Donc c'est très très compliqué. Donc pour répondre à ta question, aujourd'hui, un type qui arrive avec de la fantaisie, ben on est en queue de comète. Donc il faut vraiment avoir l'idée qui tue, avoir une petite chance d'eux, sans aucune garantie, hélas, même si c'est un chef-d'œuvre, que ça marche. Parce que ton bouquin, il sera noyé au milieu des 180 autres bouquins sortis ce mois-là. Quand j'ai démarré il y a 17 ans, et c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, l'espérance de vie, Gérard, c'était quoi un bouquin? 3 mois. Ouais. 3 mois aujourd'hui, c'est même pas 3 semaines. Je te parle d'espérance de vie, hein, pas de visibilité. C'est-à-dire que ton bouquin arrive dans une librairie et de toute façon, il est poussé physiquement par ceux qui arrivent. Donc tu es d'abord en facial, avec un peu de bol dans la vitrine, sinon sur les tables, et puis après tu vas vite sur la tranche, et puis après tu retournes dans les cartons. Si tant est que tu en es sorti. Voilà, tu viens de ruiner l'ambiance, bonne journée. Mais c'est la réalité, et ça, je crois pas qu'il y ait moins de lecteurs. Il y a trop de bouquins. Mais le coup des camions, c'est vrai, parce que on est tous en train de se dire, mais c'est marrant parce que dans l'édition, c'est quand même les mecs qui ont des camions qui sont bien en fait. Parce que déjà, tu peux rien faire sans te dire, merde, mais qui va le distribuer? Parce que imprimer un bouquin, t'appelles un gars, salut, je vais imprimer un bouquin, hop, une semaine après, t'as un bouquin. Par contre, distribuer, ça va être, il faut aller à un tel réseau qui n'est pas copain avec celui-là, donc si tu veux que celui-là te distribue, il ne faut pas parler à celui-là. En même temps, il faut parler à lui, parce qu'il connaît un tel, qu'il connaît machin, et là, si tu ne connais rien, voilà, tu n'es pas distribué en fait. Donc tes bouquins, tu les as, ils sont chez toi, et là tu fais.
Ah, j'ai des livres. Voilà, et c'est, bon, malheureusement, il y a beaucoup d'autres choses, parce que moi, je fais aussi des disques, et c'est pareil. Les disques, si tu connais pas les mecs qui ont des camions, et ben moi, c'est pour ça que je distribue des disques en librairie, des disques d'une Nalband, et on les distribue pas dans les circuits disquaires. Parce que les mecs, ils font, mais c'est qui, eux, Nalband? C'est bizarre. Musique holistique chaotique. Non, on n'a pas de caisse pour ça. Au revoir. Eh, mais on a des gens qui veulent les acheter. On s'en fout. C'est exactement ça. Ouais. Le problème, c'est on s'en fout. Ouais, non, mais parce que même, en plus, il y a peut-être gens qui pleurent pour avoir des acheteurs. Bon, nous, on fait un truc, on y passe des années et tout, on est content, les gens, ils attendent notre disque. Et là, on dit, bon, vous voulez pas distribuer notre disque? Bon, voilà, après, tu dis, il y en a qui pleurent parce qu'ils ont pas de boulot. Hein, et là, tu leur donnes du boulot. Non, mais il va falloir qu'on les mette dans les camions et tout. Donc c'est hyper galère, voilà. On est à la merci des mecs qui ont des camions. Non, faut juste que je m'en aille, parce que j'ai une autre table ronde il y a 5 minutes. Oui, logiquement, en plus, je crois qu'on est arrivé sur l'heure. Donc, eh ben, un grand merci à tous nos intervenants. Et bonne soirée. Et aux enchères pour ceux qui viennent. Ouais, ouais, la place, place. Ah oui, la place. Tant pis. Est-ce que vous connaissez pas les mecs qui ont des camions? Tu connais les mecs qui ont des camions, toi, donc. Ah oui.